Le parasite. Au début, il scrute, il observe, il virtualise ses envies. Il crée du dommageable, il dommage l'existence de l'être qui l'habite. Il ajoute à sa propre matière la matière de l'autre, celle dont il a besoin, celle qui l'attire. Le parasite, parfois, se terre dans la poussière pour ne pas omettre sa présence au monde. Il existe, il devient altérité, il fissure le vivant, il écorche, il crée la gêne. Le parasite floute la compréhension, il devient le malentendu, une chose sur une chose. Il change le corps, métamorphose les cellules. Le parasite, c'est ce son involontaire qui crisse ton écoute, il l'arsène, te donne des acouphènes, empiète sur ta construction. C'est cette mouvance qui fait de lui un être composite. Le parasite, c'est le marginal que tu ne veux pas regarder, celui qui ne convient pas à ton taux d'acceptation d'excentricité, alors il colérise son état d'être au monde, montre qu'il existe des parallèles, tente de créer autour de lui une sphère différente. Il s'arnache au trottoir, mécanise sa routine et s'en fait un harnais, le parasite dérange. Il te dérange dans ta normalité, car tout le monde le sait, ce qui ne rentre pas n'est forcément pas bien formé. Ton aise a bien été malmenée désormais que tu l'as croisé, alors tu recours pour ne pas être rattrapé, pour ne pas être gangréné, pour que cette mouche qui le suit lui ne te suive pas toi. Mais tu as omis qu'en fait, cette mouche c'est la tienne, c'est celle qui se métamorphose, qui change son enveloppe, qui se gliétise sur son âme pour te chier dessus. Elle te larve et se camoufle au travers de ton ombre, ton parasite. Le parasite est ton ombre. Aujourd'hui, il s'est sardiné à ta pensée, il t'a lobotomisé et l'excuse de tes préjugés, alors tu vois ce parasite que tu ne cherches pas à comprendre, tu vois ce parasite-là, eh bien c'est toi. Alors avance et corrige, tu te réinventes, tu vises ta tête au coin de la table pour comprendre ton esprit, pour tenter de l'apprivoiser, de dialoguer. Tu montes le chauffage pour suer et sentir ton côté animal. Tu calcules la distance qui te sépare de la lumière, tu te rends compte qu'il y a toutes sortes de manières de côtoyer la vie, qu'il y a des regards que tu peux engager, qu'il y a des regards que tu peux effacer et changer, que tu peux en prendre la mesure et mesurer ton ouverture. Alors, si tu vois que la porte est entrouverte, donne un coup de pied dedans. Donne un coup de pied dedans et tu verras qu'ils ne sont pas en stand-by, eux. Qu'ils sont actifs, eux. Ils ont des compagnons de route solides. Si l'on considère que le nombre de gens est proportionnel ou égal au nombre de réalités, eh bien, la pluralité englobe tout. Que tout est partout. Que la conjugaison plurielle a sa raison d'être. Que tout est concept. Quel est concept et obligatoirement négation? Alors si on décidait d'en extraire la négation pour en faire un allié, alors à ce moment-là, tout basculerait. Le parasite deviendrait un acolyte et de manière construite, nous continuerions à échanger, à partager et à aimer. De cette agonie, nous en tirerions une forme de sympathie. Le parasite serait en mutation et de fait protéiforme. Si l'on estime ça comme étant une aide à la propulsion de ton pied sur cette porte, alors à ce moment-là, on aura peut-être gagné. Gagner quelque chose de plus grand, gagner quelque chose de plus fort que l'individualité, mais sans pour autant la gommer. Nous pourrions faire de ce parasite quelque chose de plus grand et encore quelque chose de plus beau. Du stade de l'excroissance non désirée, il passerait à celui de partenaire. Au début, ils auraient un goût amer de terre, mais de cette congénère, nous mettrions en place une biosphère guerrière. Alors, on fait des rimes en R pour omettre que c'est nécessaire de taire l'horreur des hommes. On rimère pour être dans la monstration de l'ordinaire, du populaire, et laisser passer la lumière à travers nos chairs. Tu vois, on a transformé le parasite en un être du mérite. Le parasite se recentre sur son état physique. Il réapprend le dialogue entre l'être et son milieu. Nous l'avons repositionné à l'intérieur de nous. Nous avons rectifié notre propre structure. Tout parasite que nous sommes et que nous formons, tentons d'en apprécier les valeurs. Allons favoriser la cohésion des âmes et ouvrons ces portillons qui nous entravent. Mais surtout, n'oublions pas que, tout comme la tique, le parasite, il est autant de mondes différents que d'êtres vivants.